Les amis, nous voilà revenus dans... Ah oui, alors par contre, il est... Ok, je sais ce qui se passe. Je débranche ma souris 3D. Putain, les mecs, ils mappent une souris 3D sur les jeux, quoi. J'étais bloqué en mode tir. Donc je disais boum, un nouvel revenu sur les épopées d'Isaac Clarke, correction de parcours, épisode 3. Le jeu est magnifique, j'espère que vous êtes contents, moi je le suis. Et nous sommes partis. Entrée en zéro gravité. Ah oui, on était là, oh là là. Centrifugeuse désactivée. Veuillez replacer les générateurs manuellement. Ah merde, je l'ai touché, ça l'a cassé. Je l'ai frôlé. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, hein. Ah, et ça me fait penser, j'ai vu, je regarde Benzaï. Benzaï a fait une vidéo sur Dead Space, et j'étais très déçu, franchement, de sa part. J'étais extrêmement déçu de sa part parce que bon, c'est en mode ouais, bon, bah il est bien sans plus, mais que ça ne méritait pas de débourser 80€. Et moi, je suis désolé, mais non, si ça mérite de débourser 80€, c'est un jeu comme ça, un chef-d'œuvre comme ça, c'est comme les Halo, hein. Moi, les Halo, je n'ai aucun problème à les avoir achetés la première fois sur Xbox, à leur sortie, à les re-acheter en version anniversary, à les re-acheter en version PC, j'ai absolument aucun problème. À partir du moment où ce sont des chefs-d'œuvre, tu peux les acheter 15 fois. Comme Doom 3, je l'ai acheté, je crois, 3 ou 4 fois. Toujours dans des versions différentes. Et je suis sûr que vous, c'est pareil. Je suis sûr que ça vous arrive d'avoir acheté des jeux en plusieurs fois. Parce qu'ils nous plaisent, tout simplement. Et que ils le méritent. Ah merde, j'ai vu passer un gros minet. Le son du jeu m'explose. Là. Oh, que c'est kiffant. Oh, que c'est kiffant. Tu kiffes ou pas quand je te bute? C'est comment déjà pour taper? Je ne sais plus. Merde, il n'a pas lâché un objet? Il n'a pas lâché l'objet? Ah si, il est là. Une grominette. Ok, donc ça, faut le congeler. Et après, faut le mettre dans maman. Générateur positionné. Merci, Captain Obvious. Il devait certainement y avoir un autre monstre dans le coin. C'est tellement l'ambiance d'Alien, bordel. J'ai pas l'impression que ça ait touché. Avec le sang qui flotte là. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? J'ai l'impression que le jeu est un petit peu sombre. J'ai l'impression que le jeu est très sombre, hein, sur le live. Vous me dites, hein. Je peux peut-être augmenter un poil les luminosités. Si je vois où c'est. En fait, il faudrait que je fasse ça, voilà. Ah bah en fait, c'est bien.
Non, j'ai l'impression qu'on est bien réglé, hein. Oui, c'est réaliste. Oui, parce que j'ai vu que mes anciens replays, enfin que mes vidéos de la semaine dernière, j'étais un petit peu délavé. Et en fait, c'est parce que j'avais mal réglé ma carte de capture. Donc là, normalement, les noirs devraient être noirs. C'est ça la normalité. Jamais vu des noirs jaunes, non? Cette ambiance. À tout le personnel, redémarrage de la centrifugeuse. Oui, on y va. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Plus d'oxygène. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre avec la charge tectonique. Ce mouvement de danse incroyable, la tectonique. La centrifugeuse est repartie. Il ne reste plus qu'à redémarrer les moteurs, c'est ça? C'est quand vous voulez. Ah oui, j'avais oublié qu'Amonde c'était un petit genou maintenant. Et que Kendra Daniels a perdu ses seins. Et c'est une lesbienne. Oh, bonjour toi. Viens voir papa. Bon, j'ai voulu te sauver. Oh putain. Ah. Ah. Salut Odysseus, salut Ludo, salut Ubiof. Oh, ça va mieux. C'est tellement beau. Mais fonce, banane. Ok, je me demande s'il n'y a pas un truc là-bas. Il y a un petit quelque chose. Du pognon. Ok, on a le temps, on a le temps. J'ai tout mon temps. Ah merde! Putain, puis c'est tellement bien fait, quoi. Dans l'espace, on n'entend pas les monstres crier! Ouvre-toi! Ah, fais une sauvegarde. Stylé. Moi j'ai aucun problème de le racheter 15 fois s'il faut ce jeu. Oh putain, on voit la tête des mecs. Montre-moi ton net. Montre-moi ton kyste. Oh merde, plus de balles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as plus de balles. Merde, je suis crevé. Oh merde, je me suis fait avoir. Je me suis baisé sur le changement d'arme. Ah. On a perdu le patient. Est-ce que ce serait pas ma première mort? Je sais plus. Est-ce que j'étais déjà mort? Merde, je suis mort une fois. J'aurais dû changer d'arme avant de me faire choper.
touche le prix. Voilà. Bel organe. On va l'emmener avec nous. Ah mais ça me suit hein. Putain mais on voit la tête. On voit la tête des youtubeurs qui avaient jamais joué au jeu et qui se sont fait avoir par cette merde. C'est pas déjà mon raccourci, c'est ça. Il y avait quoi là-bas déjà? Oh putain, et là c'est noir hein. Alors là, si c'est pas noir, je sais pas si c'est... Je sais pas ce que c'est. Et du coup, c'est trop bien. Là, il y a une vraie ambiance. Oh, faut repasser par là. T'as pas eu le temps de m'avoir, salaud. Vite, ma clé à molette du futur. Ah oui, c'est vrai qu'on a un établi ici. Est-ce que j'ai des trucs ou pas? J'ai un point. Ok, là j'ai mis 5 points. Là j'en ai mis 4. 3. 1. 0. Je pense que les découpeurs c'est pas bien amélioré parce que même si l'arme est stylée, mais le truc c'est que contre les boss ce sera un pas mal inutile à mon avis. Arme d'assaut c'est mieux quand même, et cutter plasma. Je pense que je vais booster l'arme d'assaut. On va booster les dégâts et c'est UJX69 et Ra's al Ghul. Salut Ra's al Ghul. T'as amené ta fille avec toi? Ok, ici y'a que dalle. Que dalle, que dalle. Ah oui, c'est vrai qu'on revienne à la salle principale. Isaac, mais que tu es beau! Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Ça, on s'en fout. Ça, on vend. Merde. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça aussi. Ok, et du coup, amélioration du découpeur. L'arme d'assaut.
ok. Ça, c'est bien. Ah, faut peut-être pas aller là, faut aller ici. Bonjour mon petit! Oh, il a pris un coup de vieux ce cadavre. Oh là là, mais c'est tellement la classe. Vitamon, j'ai piraté les fichiers sécurisés. Ce n'était pas ici pour une simple revendication minière, hein? Comment ça? Cette flambée a débuté au sein de la colonie. Je me demande s'il y avait. Ils ont déterré un artefact. Un truc extraterrestre. C'est impossible. Mais ça expliquerait pourquoi Aegis-7 est censé être interdit d'accès, pas vrai? Ordre du gouvernement de la Terre. Quand les mineurs ont trouvé l'artefact, ils ont signalé des cas d'hallucinations, de paranoïa, des suicides. Mais Ishimura a embarqué ce monolithe malgré tout. Quoi, le monolithe? Mais okay, c'est quoi? Où se trouve ce monolithe? Dans la soute. Bien emballé pour la livraison. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais il est toujours en vie. Ex, t'as pas une tête de porte-bonheur. Oh, c'est une belle hélice. Ils ont même rajouté des phases à la Callisto protocole. Oh. Ah. Maman. Et bonjour. Tu veux un autographe, c'est ça? Il lâche rien. Sécurité niveau 3. Marche dans les miasmes. Qu'est-ce qu'on a ici? Journal d'ingénierie. Dernière entrée. Journal d'Instras. Personne ne répond plus, Riarig. Je crois que mon équipe a été décimée. J'ai trouvé le module de télékinésie qui a servi à bousiller la centrifugeuse. Il est cramé.
saboterai l'Ishimura dans un moment pareil. Je vais contacter la passerelle, s'il reste encore quelqu'un. Et je vais chercher Elisabeth pour qu'on se tire de ce satané dessin. Elisabeth ? Oh, dis donc. L'ingénieur Strass avait une copine qui s'appelait Elisabeth. Et oui, ça n'y était pas ça avant. Ils ont fait comme Luigi's Mansion 3. C'est trop bien. Ah oui. Oh, c'est ce saloperie de merde qui te bouffe toute ta vie. Merde, je me suis fait avoir. Ça, ça fait mal. Et salut Lo 8420 et Dark Abyss. Salut les amis. Et boum, Sivmat. Je t'ai vu depuis tout à l'heure sur le live. Oh putain! Fonce, cours! C'est tellement stylé, la lumière qui s'adapte. Et j'ai l'impression de me sentir comme Ellen Ripley dans Alien le retour. Qu'est-ce que ça a débloqué? Ça a débloqué un truc. J'ai booké mon vol pour le Vietnam Black. J'y vais le 12 mars. Ah, tu vas au Vietnam? Oh bah, tu seras pas très loin. Tu pourras et à la fois venir me faire un petit coucou à Singapour et faire un petit crochet par le Japon pour faire un bisou à Cortana. Ah ouais, si tu passes à Singapour, why not, hein. Le Japon plus compliqué, non? Et plus cher surtout. Plus cher pourquoi? Je pense que c'est pareil, hein, à mon avis. En fait, ils frappent ces mecs-là, là. Attends, on vient de là, il y a un ascenseur. Qui nous amène je ne sais où. Ah oui, on revient en arrière, ok. Ah ok. Le Japon, c'est, ça doit être plus cher, oui, du coup, peut-être pour le Vietnam, mais... Je veux passer. C'est G-Soft YouTube. Ah putain, ce bruit de connard qui balance des glaires. Ah oui, coucou YouTube. Ah, vous avez le coucou YouTube de Sivmat. Oui, d'accord, on fait ça, Cortana. La Cortana a une plus belle voix, quand même. Ok, donc là, on arrive précisément à l'endroit de ma partie que j'ai faite, à la sortie du jeu, tout seul, tranquille, comme ça.
Donc ça y est, là du coup, à partir de là, c'est la pure découverte pour moi. Et ça, c'est bien. Oh putain, et les effets sont stylés. Là-bas. Je mets un autre truc pour geler. Non. En vrai, un aller-retour Ho Chi Minh Singapour, une fois par mois, ça me coûtera moins cher que le visa run au Cambodge. D'accord. Bonjour, t'avais fait celui de 2008? Oui, j'avais fait. J'ai même fait une série sur YouTube. C'était il y a un an et demi, deux ans. Mais moi, j'adore ces ambiances-là. Moi, je pourrais jouer à un jeu comme ça par mois. Moi, ça, je m'en lasse pas. Et Bioforge style, Dead Space, Aliens. Tiens, et d'ailleurs. Panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Oui, d'accord, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Alerte, panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher. Prends-la, toi, ta batterie dans la gueule. Si on n'avait pas de machine télékinétique, on pourrait pas les porter, les objets. Oh merde! Recule! C'est très efficace le lance-flamme, il va falloir que je le booste. Mais après, le lance-flamme, c'est peut-être un peu pareil que la découpeuse, la portée est pas très longue. T'as déjà fait Alien Isolation? Oui, mais je ne l'ai jamais fini. C'est quand même 2-3 trucs qui me gonflaient dans Alien Isolation qui m'ont fait décrocher. Putain, mais j'ai l'impression. Bon, ça va. Ce qu'il y en a. Ils sont en train de devenir fou. Il devient fou, lui. Oula. Oula, il y a la patte folle. Mais j'attends patiemment pour Alien Isolation. J'aimerais, du coup, moi, ce qui me plairait serait de le faire en VR, mais en vrai VR. C'est vrai que le jeu est un peu long, un poil long pour un survival. Et moi, c'est pas ça qui m'avait gonflé. Moi, ce qui m'avait gonflé, je crois que le truc qui m'avait fait vraiment décrocher, c'était que notre personnage était vraiment un putain d'aspirateur Roomba, quoi. C'est-à-dire, elle peut pas courir, elle est tout le temps à la même vitesse. Et un petit terre-plein central de 20 cm de haut, elle peut pas l'enjamber, elle est obligée de le contourner sur 10 mètres. Ça m'a fait décrocher.
des trucs là. Ouais, il y a des trucs. Moi, je peux vivre près de la frontière dans une toute petite maison de 20 mètres carrés. Ça me coûtera que 120$ par mois, le temps de gagner des revenus avec mon jeu et de créer ma compagnie au Vietnam. Ah, mais du coup, ah oui, c'est vrai, t'avais dit que tu voulais t'installer au Vietnam. Veuillez confirmer l'ordre d'allumage. C'est vrai, c'est vrai, c'est cool ça. Après, j'ai des collègues de travail qui sont au Vietnam. Qui travaillent à distance. C'est confirmé. Allez, allume-toi. On retourne au tram. Vérifions qu'il n'y a pas de monstres qui nous pop dans la gueule. Et vérifions aussi qu'on n'a rien oublié. Le soleil! Dans les yeux! Les yeux! La pause dans combien de temps? Oula, dans 30 minutes là. On perd le temps, c'est... on est qu'au premier épisode. On est qu'au début du live. Isaac, vous avez réussi. L'Ishimura fonctionne à nouveau. C'est pas grâce à la personne qui a saboté ses moteurs en tout cas. Grâce à vous, on a pu trouver une solution. Le pilote automatique nous emmène en orbite géostationnaire. Attendez, vous nous emmenez vers les débris du brise-surface? C'est à ça que sert la DEF, notre système de défense. Oui, mais la DEF est morte. J'ai toutes les données sous les yeux. Amon, l'Ishimura est dans un sale état. Quelques coups de plus et ce sera terminé. Merde. C'est marrant que dans le futur, je viens d'y penser. Daniels, donnez-moi tout ce que vous avez, je vais essayer d'ajuster la trajectoire. C'est là, il faut un switch de cam entre plusieurs intervenants. Ils auraient pu faire un PIP, hein. Le verrouillage de la station. On doit travailler en équipe. Comme Skype, comme Zoom. Dans le futur, les systèmes de conf-call seront moins bien qu'aujourd'hui. Balle, hein. Je viens de là peut-être. Ah oui, je viens de là. Là, on va de l'autre côté. Ok. Oh que c'est noir. Oh que c'est sombre. Et ça, c'est ça qui est bien. Oh putain, un escabeau du futur. Timson. Ouais, porte ouverte. Et j'ai entendu un mec crier. Nicole. Je suis là. On l'avait oublié. Nicole, c'est toi? Oh merde. Puis j'ai plus de vie, hein. Il est mortel, Jésus. Ah oui, on revient là, ok. Mais j'ai de trucs sur moi. Ah, mais j'ai des trucs à vendre, moi. Alors, je vais à la boutique, je sais même pas, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait des ennemis. Hydrazine gélifiée. De l'hydrazine. Ah, mais si, j'ai de la vie. Il me semblait que j'en avais plus. Ok, j'ai juste assez pour un point de force. Par contre, j'aimerais bien l'amélioration du lance-flamme.
Est-ce que je peux vendre ça? Putain, c'est pas suffisant. Oh, mais j'ai plus de vie. Salut, Ava, c'est ma fort. Ok, c'était par où déjà? C'est par là. Oh putain, le cadavre m'a fait peur. Qu'il y a un monstre qui peut bloquer au sol. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Ah putain, trop bien! La porte lui a coupé la jambe! Est-ce qu'on peut lui couper autre chose? Ah oui! Oh, c'est trop bien! Est-ce qu'on peut encore en faire quelques miettes? Bon, ça, je veux pas. Je vais mettre dans l'axe là. Là, il faut qu'on fasse la charcuterie. J'ai des commandes à honorer. Est-ce que ça le coupe en deux? Ah non, ça le coupe pas. Voilà. 0 sur 20. Nous sommes là. Il faut aller là-bas. À la passerelle. Ah, et si je me souviens bien, à la passerelle, on va aller voir Hammond. Et d'ailleurs, si je me souviens même bien, dans la version originale, il y avait un bug qui nous permettait de tuer Hammond. De le découper en 1000 morceaux, et qu'après, le mec, il nous appelle. Dis donc, tu as réussi à recoller les morceaux, mais c'est incroyable, Amand. Tu as dépensé sans compter ou quoi? Arrêt imminent, passerelle. Oh que c'est beau. Isaac, je vois les canons de défense. Ils sont dans un sale état. J'ai besoin de votre aide. Je ne perdrai pas l'Ishimura. Pas maintenant. Je veux prendre votre aide. Ou le monolithe? L'artefact qu'ils ont trouvé? Pas de ça avec nous. La CEC était au courant pour le monolithe depuis le début, pas vrai? C'est pour ça que vous êtes ici, non? On n'envoie pas l'Ishimura pour une opération de minage secrète. Ah, c'est cool, ça désactive la vidéo automatiquement. Ça colle avec cette théorie, peut-être. Hey, arrêtez vos conneries. On est dans un champ de débris. Il faut qu'on réactive la DEF ensemble ou c'est terminé. Retrouvez-moi au poste du capitaine. Ils ont rajouté du drama. Ok. Plan serré sur Daniels. Je trouverai des réponses. Oh là là, maintenant qu'on sait qu'elle est lesbienne, on a envie de lui faire des bisous partout. Mais bon, c'était déjà le cas à l'époque. Mais quand est-ce qu'on aura des vaisseaux spatiaux comme ça, où on peut se balader dans l'espace comme ça? Dans des couloirs comme ça? Avec des murs faits en boulons et en plaques de 20-30 cm. Attention. Tiens, c'est marrant, des fois c'est affiché en français, des fois en anglais, c'est incroyable. Niveau 2. Je suis pas encore niveau 2. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Et j'espère que j'ai pas loupé le truc d'habilitation. Ça va te mettre le son à fond.
On entend le cœur qui bat d'Isaac, c'est trop bien. Sans te spoiler, non, tu l'as pas loupé. Ah, nice. Merci, Cortana. Du coup, tu m'as spoilé. Ah, ça, je pense que j'ai pas besoin. Je viens de faire un passage à la boutique. Oh oui, l'atrium. Oh putain. Oh là là, que des heures de bonheur dans cet atrium. Je peux pas bouger. Il va y avoir des monstres. Ça va? Au moins l'isolation et les systèmes de survie tiennent bon. Je vais utiliser la découpeuse pour économiser les munitions. Fais les missions secondaires le plus possible. Mais après, je pense que... Trouver la planque de Kain sur le pont de forage. Je ne peux pas atteindre le pont de forage. Putain, tous ces connards d'informaticiens, ils ont tous verrouillé leurs écrans. Les salauds. J-Roxess, bonjour tout le monde, mais quelle beauté ce remake. Oh que oui qu'il est beau. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Niveau 3. Demande de sécurité retrouvée. Ah. Sécurité, répondez. Nous sommes pris d'assaut. Je répète, le vaisseau est pris d'assaut. On nous attaque. Ils ont tué quasiment tout le personnel. Où est la salle maintenant? On a besoin de la sécurité maintenant. Les flingues ne servent à rien. Merde, c'est quoi ce truc? Ah si, les flingues servent. Si, si, si. Je sais plus où aller. Ok. J'avoue qu'il est tellement propre. Isaac. John Hammond, qu'est-ce que vous faites là? Non, gardez ce téléphone remarche. Celui qui m'a attaqué. J'ai réussi à le piéger là-dedans. Ah super, t'as eu affaire qu'à un seul mec? J'hallucine ou quoi? C'est Tienne. Vous pouvez plus rien pour lui, Hammond. Vous avez raison. Je reconnais ce petit... Merde. Ces petits yeux bridés. Au revoir, Tienne. J'ai bossé des années avec lui. Au revoir, demi-lune. Elle, au moins, elle s'est pas transformée en monstre. Bon courage dans l'espace. On va amuse-toi bien à infecter une autre planète que tu rencontreras. Allez, les canons de l'EDF. Allez, les canons de l'EDF. Je peux tenir cette position un moment. Et voilà, et c'était là où on pouvait le buter. Et j'ai l'impression que là, il nous bloque. Maintenant, vu qu'on porte le casque. Oui, t'as un truc à me dire? Non, je... Tenez, tout ce que je peux dire, c'est que l'alimentation de la DEF a flambé. Les systèmes administrateurs ne font pas grand-chose. Alors, moi, je comprends pas ce que tu me montres du doigt. Faudrait que je rebranche le panneau électrique, mais ça relancerait les canons de la DEF. Bien. Isaac, concernant ce qu'a dit Daniels, je sais rien sur des extractions illégales mises sur le monolithe. Je le jure, je suis là que pour la mission de réparation. Promis, hein.
Je vous connais pas assez bien, Daniel, c'est vous pour en juger. Mais la CEC est forcément au courant pour le monolithe. L'entreprise peut-être. Mais ce genre de merdier va au-delà de mes autorisations. Merde, je croyais que j'étais dans la lumière. On discutera plus tard. Il faut trouver un moyen de descendre jusqu'à ces panneaux électriques. Là. Pour rétablir les ascenseurs. Ça te dérange pas que je te parle de... sans te regarder. J'ai trouvé une carte de cadre de la CEC. Les robots qui se parlent entre eux. Vous avez déjà augmenté les vôtres ? Ouais. Aïe. Juste au cas où. Merde, caméraman. Et Isaac ? Isaac ? J'ai entendu un truc là-haut. Un gros truc. Faites attention à vous. C'était Daniels. Isaac, il le regarde même pas dans les yeux. Je suis une machine. Venue du futur. Enfin, venue du passé. Ah, ok, on débloque le niveau 2 comme ça. Bon, bah c'est bien, au moins, si on débloque les niveaux sans que ce soit secret. Oh putain, le mug du futur. Oh, un message du capitaine Benjamin Matthews. N'oubliez pas que vous devez réactiver... Ah non, ah, Benjamin Matthews. Oui, ta gueule. Il nous faut plus de temps. Benjamin, suite à notre récente conversation, je confirme par écrit le fait qu'on devrait retarder d'un jour ou deux le déplacement du monolithe de la planète. Tu sais à quel point j'ai hâte d'étudier le monolithe et je comprends que tu sois pressé au vu de ce qui se passe dans la colonie. Mais c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Ce qui se passe ici est trop exceptionnel pour prendre le moindre risque. On a besoin de temps pour étudier les causes et les effets. Après avoir consulté le docteur Mercer, j'aimerais rencontrer les docteurs Ciarello et Wayland Yutani. De la planète, leurs observations sur un patient en particulier nous seront peut-être précieuses pour comprendre ce que... Ta gueule, je lis un email. Ce que... à quoi nous avons affaire ici. Terence, signé Terence, bisous. Un autre journal textuel, je n'aurais plus autorisation d'accès. Ce code de règle octroie aux bénéficiaires Warren Eckhart. Eckhart bien les cuisses. Un accès exécutif à bord de l'USG Chiborg jusqu'à ce qu'il soit annulé par le capitaine Matthews. Veuillez sécuriser votre rig. Bisous. Isaac, vous y allez ? Je me prépare là. Vous pourriez... Oui, je suis en train de me préparer. Je sais pas. Est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller ? Allez, on y va. Putain, les réflexions là, merde. Ah ben voilà. Est-ce qu'on va pouvoir le découper? Oh, les belles petites réflexions là. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh putain. Il est devenu invulnérable, c'est de la triche. Putain, on pouvait le buter dans l'ancien. Fait chier. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas du ray tracing. Et du coup, ça fait extrêmement rigoler de voir que beaucoup de joueurs pensent que quand tu actives le ray tracing, il y en a partout et en fait pas du tout. Et que même j'ai pu voir qu'il y a des mecs qui jouent sur console avec des modes performance ou genre, je sais pas quoi, où il y a un mode qualité et un mode performance. Où le mode qualité c'est et du coup il y a une espèce d'amalgame ou d'incompréhension. Et ils pensent que le mode performance, il n'y a pas de ray tracing, et que le mode qualité, il y en a. Or c'est faux, c'est faux. En fonction des jeux, le mode performance et qualité, il y a aussi du ray tracing sur les deux, juste avec différents niveaux de qualité. Notamment Dead Space Remake. Oh putain! Et voilà, sur PS5 et Xbox, le mode performance a un mode ray tracing.
Mais c'est juste qu'il est à faible distance et dans une qualité plus basse. Que le mode qualité! Allez, on va découper les fesses. Je sais plus comment on le bute, lui. Il me semble que c'est dans le dos. Lui, c'était un truc comme de genre. Ouh la vache! Ouh la vache! Je vais crever là. Putain, mais il veut pas courir! Merde, j'ai plus de stase. Elle est où la stase? Y'a pas une station de stase là? Il semblait qu'il y avait une station de stase. Merde, je veux mal regarder. Elle doit être forcément quelque part. Y'a rien, rien, rien. Anomalie dangereuse. Ah oui, j'avoue, elle est dangereuse là. Putain! Receive Matt! Putain, mais je suis sûr qu'il y a de la stase là! Est-ce qu'il me suit par là? Putain, il me suit partout! Hein. Ouais, y a pas de stase! On va aller voir où on se flamme! Où est-ce qu'il est? Et puis il va vite en plus, j'ai oublié. C'est ton psy, tu te fais suivre? Oui. Crève, 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 crève. Putain, puis j'ai plus de vie. J'ai rien, je suis à poil. Merde, j'ai plus rien. Merde, j'ai cru que je l'ai. J'ai cru que j'avais buté. Ben, du coup, faut que je le chope dans le dos. Sauf que là, j'ai. Oh oui! Oh oui! Putain, j'aurais pas cru réussir. Allez, tiens, on te jette. Voilà, voilà. On l'a mis sous le tapis. GG, merci, G-Rox, c'est ça. Franchement, j'y croyais pas. J'ai plus de vie, plus de stase. Alors, par contre, pour une version remake, ils auraient pu faire mieux que ça, quand même, hein, pour la porte détruite. Ça, alors ça, ça a été fait par un stagiaire, ou je ne m'y connais pas. Habilitation confirmée. Je savais pas qu'on pouvait le mettre dans le trou. Ah voilà, c'est un secret. J'ai débloqué un secret. Ascenseur de l'atrium activé. Ça a été enregistré, docteur. C'est une mutinerie. Le monolithe doit revenir à notre église, quoi qu'il en coûte. Ben, s'il te plaît, écoute-toi. L'Ishimura est en crise, tu nous as isolés. Ben, enfin! En vertu de l'article 5469, je sous-signé le docteur Terence Kine. Déclare le capitaine Benjamin Matthews inapte au service. Espèce d'hérétique! Arrêtez-le. Ben, t'es pas toi-même. Laisse-moi t'aider. Bande de traîtres, lâchez-moi! C'est mon vaisseau! Tournez-le, enlevez-lui son pantalon. Il faut lui administrer. Vous l'avez vu, j'ai essayé de l'aider. Vous avez tué le capitaine. On doit vous arrêter. Fais pas ça. Si les autres membres de l'église m'attrapent, stop! Sécurité! Non mais c'est un accident. Vous ne pouvez pas arrêter les gens. Juste parce que certaines personnes se sont jetées sur leur ciseau. Bah, disons, tu l'as tué. Mais non, il s'est jeté sur mon ciseau. Si tu l'as tué, on t'arrête.
Je diagnostique chez vous un trouble bipolaire représentatif d'un traumatisme infantil lié à l'exposition à un stimulus négatif ou dans un contexte turbulent, ça fera 270 euros. Ce stagiaire est devenu stagiaire photocopieuse. Et même ça, il le foire, je suis sûr. L'arme d'assaut, le lance-flamme. Le seul truc qui est un peu dommage. Ok, non, en fait, j'allais dire de la merde, mais non, ça va. Donc là, en gros, le lance-flamme fait 65 points de dégâts. Je viens de m'en rendre compte, en fait. J'avais jamais vu les stats. Je me demande même s'il y avait les stats à l'époque. Je me souviens plus. Le découpeur fait 50. L'arme d'assaut fait 50. Le cutter fait 120, le bâtard. Et la tenue fait 150 points de dégâts. Ah, il y a une capacité spéciale sur le... l'hydrazine gélifié. Ah oui, c'est parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on peut le switcher en mode gel. La tenue fait des dégâts. Non, je rigolais. Ma tenue fait des dégâts. Mais oui, en fait. En fait, c'est pas la tenue qui fait des dégâts. En fait, c'est les dégâts quand tu frappes. C'est ça qu'ils veulent dire, en fait. Quand tu leur marches sur les doigts de pied, tu fais 150 de dégâts. On va mettre un point là, du coup je passe à 70, ce qui n'est pas beaucoup, hein. C'est pas le jour et la nuit. Ouais, je pense que... Bon, ils mettent ça sur santé, mais je pense que c'est les dégâts. Dégâts de lancer télékinétique. 1. C'est de la merde. Le cutter il fait 120 quoi. Et là ça monte de 5 en capacité, ce qui est pas fou non plus. Ok. Et le découpeur... Après, c'est vrai que le découpeur... Merde, je suis con, j'ai quitté. Et en fait, il faudrait que j'augmente aussi un petit peu la tenue. Oxygène... énergie de la stase... Je vais augmenter un petit peu la stase. On va augmenter un petit peu les PV. Ah non, 175 points. Ok, donc c'est bien les PV. Les PV sont à 175. Mais on ne sait pas ce que... à quoi ça équivaut, vu que on ne sait pas combien font de dégâts les ennemis. La souris est morte. Pas d'animal, hein, c'est... Ah merde. Ok, barrons-nous. Mais même, je pense, les amis, on va faire une pause. Ça fait déjà une heure. On va faire une petite pause. Avant de prendre l'ascenseur vers l'antenne de communication. Et on va rester sur ce magnifique décor. Sur la vue de la planète. Comme ceci. Les amis, bisous sur YouTube et à très vite pour la suite des épopées d'Isaac Clarke. Jacob Lee. Les bisous, bye.